Salut tout le monde, c'est Camille pour l'épisode numéro 56 de Skyrim. Il est 14h52, on est le 14 décembre et je viens de refaire le nouvel intro puisque j'avais pas allumé mon micro. Donc c'est nul. Donc la dernière fois, j'ai changé les mannequins. On a évolué un petit peu. Hop, et là aussi, il manque juste les bottes parce que je n'ai pas encore. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai rien fait de spécial en fait. J'ai fait du forgeage en fait pendant l'inter-épisode. J'ai masse forgé d'ailleurs, j'ai encore plein de trucs là. J'ai fait un petit peu de rangement, je crois, je sais même plus. Amulette de standard. En gros, tout ce que j'ai. Alors, Crozis. Crochetage, ok. Les masques comme ça, j'aime pas trop. En fait, c'est que ça nous donne une sale gueule. Et moi, je préfère avoir. Du vrai quoi, du lourd, du très très lourd. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Par là, pardon. C'est celui-là, j'ai quoi? La trompe de mammouth, je l'ai rangée là-dedans. J'ai mis la nourriture ici. Et voilà. Je sais pas si vous avez vu. On en est à 7 celles de feu. Il nous en faut 10. On va y arriver. Ah, bientôt, hein. Et donc là, la dernière fois, qu'est-ce qu'on faisait? Déjà, je suis même complètement perdu, moi. J'ai dit quoi? On est combien? Le 14? On est le 14, c'est ça, on est le 14, on est là. Bah oui, je suis entouré. J'ai mis ma tablette à côté. Ce qui me permet de. D'avoir le calendrier, etc. Donc vous êtes le mardi 16, je crois, si je dis pas de bêtises. Le mardi 16 et. Bon, il est pas 6h, je pense pas que vous l'aviez à 6h pour regarder. Hop. Et donc là, on va apprendre le cri, je crois, ou un truc du genre. Donc on va aller voir les dames. Et j'ai carrément trop froid. Pardon, tout comme d'habitude. Tu vas t'essouffler. Ok. Bonjour. Vous êtes dehors, les chers amis. Je sais plus comment il t'appelle. Delphine. C'est pas Delphine. Autrefois, j'en rêvais. Dans mon rêve, je me trouvais en hauteur, sur une tour ou une montagne. Delphine. J'étais toujours au crépuscule. Putain, tu m'as fait trop peur. Comment il m'a fait peur? Garima, je pense que là j'ai vraiment bon. Des bisous. Vous savez quoi? Parturnax, le dragon que les grises barbes protègent depuis tout ce temps. Il faut qu'il meure. Ah, t'es là. Il mérite de mourir. Et c'est à vous qu'il revient de le tuer. Tant qu'il n'est pas mort, eh bien, désolé. Mais nous violerions nos serments de l'âme si nous continuions à vous aider. Ok, alors. On va ranger ça. Tu fais Paturnax, mais j'ai pas envie de le tuer, moi, Paturnax. Pas intéressant, évidemment. Pourquoi faut que je le tue, Paturnax? Oh non, c'est pas rigolo. T'es méchant, toi. Faites le bon choix. Parturnax mérite de mourir.
au sujet des pâturages. Faites votre choix, enfant de dragon. Vous êtes avec nous ou contre nous? Bah, j'ai plus envie de... Pourquoi doit-il moi? En résumé, voilà pourquoi. Il a aidé Alduin à asservir nos ancêtres. Il a peut-être fini par trahir Alduin, mais cela le rend encore pire à nos yeux. Nous ne pouvons pas laisser à Parturnax l'occasion de nous trahir à notre tour et de redevenir fidèle à son vieux maître. Bah ouais, mais non. Et t'as quoi contre les grises barbes? Ah merde. D'accord. Si on les laissait faire, vous resteriez le derrière sur la montagne, à vous adresser au ciel en leur compagnie, ou je ne sais quoi encore. Les grises barbes ont tellement peur du pouvoir qu'ils ne l'utiliseront pas. Ouais. Réfléchissez. Est-ce qu'ils ont fait quoi que ce soit pour arrêter la guerre civile ou pour s'occuper d'Alduin? Non. Et ils ont peur de vous et de votre pouvoir. Croyez-moi, il n'y a aucune raison d'avoir peur. Pensez à Tiber Septime. Vous pensez qu'il aurait fondé l'Empire s'il avait écouté les grises barbes? Bon, bah... Ça m'embête. Il est où Esbern? Esbern, il s'est barré, quoi. Il est pas mort? J'aurais bien été capable de le tuer aussi. Ça aurait été con. Ah, tu t'entraînes à tirer. Ok, bon. Porter le cristal. Ah, mais non. C'est M. Ouais, mais j'ai pas trop envie. Bon, bah, on va parler à Esbern déjà. Normalement, il est rentré. Bon, quelle porte! Quelle porte! Putain, comme il m'a fait trop peur le dragon! Esbern. Esbern. Esbern, Inu. Le mec, on vient de se faire attaquer par un dragon. Oh, je vais me coucher. Vous n'avez rien à faire ici, à moins d'avoir décidé de faire justice à Parturnax. La justice est parfois cruelle, mais elle reste justifiée. Parturnax mérite de mourir. Ça m'embête. Pourquoi? Parturnax a perpétré de nombreuses atrocités pendant la guerre draconique. Des crimes assez graves pour ne jamais disparaître des mémoires. Effectivement, il s'est retourné contre Alduin et a contribué à mettre fin au culte du dragon. Mais cela n'excuse ni n'efface les atrocités qu'il a commises. Qu'il se soit sincèrement repenti ou qu'il n'ait agi que pour sauver sa peau, la justice requiert qu'il le paie de sa vie. Bon, bah, il faut un moyen d'attirer un dragon, un fort dragon. Vous avez aucune idée? Vous n'avez aucune idée sur la question? Le défi est intéressant. Oui. J'étudie de près les registres du temple d'Avreciel. Un trésor insoupçonné de savoir perdu. Mais l'important, c'est que les lames gardaient une trace des dragons qu'ils ont tués. En croisant ces informations avec la carte de Delphine renseignant les tombes de dragons, je pense avoir identifié l'un des dragons qu'Alduin a ramené à la vie. Que ça nous aide? En quoi est-ce que ça nous aide? Oh, ouvrez les yeux! Les noms des dragons sont toujours composés de trois mots de puissance, trois cris. En utilisant la voix pour appeler le dragon, il vous entendra, où que vous soyez. Pourquoi viendra-t-il quand on l'appelle? Rien ne l'y oblige. Mais les dragons sont très fiers de nature et détestent refuser un défi. Après votre victoire sur Alduin, votre voix intriguera certainement ce dragon. Selon moi, il ne pourra pas résister à l'envie de vous affronter. Le quoi? Et quel est le nom de ce dragon? Ah, bien sûr. Je ne maîtrise en rien la voix comme les grises barbes, mais il doit être écrit sur ce parchemin. Odd Aving, chasseur des neiges ailées. C'est ce qui est écrit. Merci. Odd Aving. Apprenez le cri permettant d'appeler Odd Aving. Préparez-vous pour un piège pour Odd Aving. Bon. Carte SIM. Oh merde, j'aurais dû que tu... Hihi.
Ah, j'étais bloqué. Super, mais dis donc. Oh. Padam, papam. Bravo. Bon, bah ça va. Oh, ça va, je reprends ici. Je me suis tapé le tour pour rien, en fait. Oh là là. Je sais où la sortie, en plus. Faut vraiment se taper le tour. Ils n'auraient pas pu faire une meilleure sortie, sérieux. Enfin, si, au final, il y en a une, mais elle est derrière. Putain, j'ai vraiment aucune vigueur, quoi. Je sais plus du tout ce qu'il y a. Arc de Wemmer. Oui. Voilà. Ah. Verbeur de ciel, ça va, on n'a pas perdu trop de route. Les agents du domaine Aldmeri, des hauts elfes, sont connus pour. Ah oui. Mort. C'est quoi cette bite? C'est quoi ça? Oh putain, ça c'est brut. Vous n'auriez jamais dû. Mais c'est vrai, j'ai pas fait ta magie. Allez. Oui, du coup, j'ai. Mais vraiment pas. Ouh, de t'esquive, de t'esquive, de t'esquive. Bah, du coup, Molag. Hein. La dernière heure est arrivée. Ah, il y en a encore. Oh la vache! Il n'y a plus de petits points rouges. Il n'y a plus de petits points rouges. Qu'avez-vous sur vous pour moi, Dag Orc? Oh. Épée perjure, coiffe perjure, stuff perjure. Mais Osef, qu'est-ce que je fous dans le camp de perjure en fait? Comment ça se fait? J'avais pas tué tout le monde ici. Dague de fer. Pas comme si j'en avais forgé 12 000. Bon bah du coup, on va repartir sur les quêtes. Le défi, je pense que tu pars Turnax. Préparer un piège pour Odavin. Je vais aller voir Paturnax. Gorge du monde, hein. Je crois que c'est ça. Chaque fois que vous montez de niveau, vous pouvez choisir un atout. Ça m'embête, j'ai vraiment pas envie de te tuer. Les lames disent que vous méritez la mort. Salut. Les lames ont raison de se méfier de moi. Onikan ni Ov. Je ne ferai moi-même confiance à un autre Dova. Pourquoi ne devrait-il pas vous faire confiance? Dovoilan Farel. Nous sommes nés pour dominer. La soif de puissance est dans notre sang. La sens-tu, toi aussi? Oui. Je suis digne de confiance, mais il n'en croit rien. Onikan ni Ovdova. Il est toujours prudent de se méfier d'un Dova. J'ai surmonté ma nature par la méditation et en étudiant longuement la voie. Pas un jour ne passe sans que je sois tenté de laisser ma véritable nature reprendre le dessus. Zinkrif Orvutsesuleik. Vaut-il mieux être bon de nature, ou surmonter sa nature maléfique à force d'efforts? Comment peut-on attirer un dragon à son âme? Odavin relèvera votre défi. Bozik, Krilot, il ne pourra résister à votre appel. De la colline des Dova, il viendra. Ok.
Et je souhaite militer un mois de plus. Non, merci. Bon, bah je ne vais pas te tuer. J'ai pas envie de te tuer. Magie. Cri. Voilà. Entends ma voix, moi j'invoque ta présence car j'ai besoin de ton aide. On a combien de 9 âmes? Ouais. Alors, carte. Carte, faut aller à Fourtragon. Allons à Fourtragon. Combien de temps il reste? 5 minutes. Cool. Bonjour. Mais il n'est pas aussi stupide que vous en avez l'air. Êtes-vous prêt à déclencher le piège pour attraper le dragon? Comme promis, mes hommes se tiennent prêts. Les grandes chaînes sont huilées, nous attendons votre signal. Signal ! Au travail, nous avons un dragon à capturer. Mes hommes savent quoi faire. Assurez-vous de faire le nécessaire. Je gère. Je place le sort de ma ville entre vos mains. Oui, je gère. Hop là, petite sauvegarde. Bon. Faut aller... là où il y a le piège. Derrière. Pourquoi tu cours? Mais parce que tu cours. Ouf. Ça, c'est un piège à dragon. Bon, vous êtes prêts, les gars? Je l'appelle, hein. Oh, en bille. Mais oui, d'ailleurs. Fin dragon, maintenant. Battez et enfermez Odavi. Vous avez entendu? Oh putain! Wouah! Une fois de plus, le Team Rocket s'envole vers d'autres cieux! Normalement tu dois être au sol là, je t'ai mis le... Allez viens là. Dovahkiin, je suis là. Allez viens. Allez, mais veux-tu? Marie. Marie, tu viens ici. Marie, elle a réussi au grand dragon. C'est bien, allez, viens. Bam! Et dans ta face. Tu. Bon, la gueule. Les flammes. Salut. Zubana, tu as traversé 1000 épreuves pour me placer dans cette position humiliante. Ah. Ainsi, ah. Alduin, tu souhaites sans doute savoir où se trouve Alduin. Mais tout à fait. C'est exact. Rinnig Vaza, des mots appropriés. Alduin Bovul. Si j'ai répondu à votre appel, c'est pour mettre ton Tuum à l'épreuve en personne. Nombre d'entre nous ont commencé à remettre le règne d'Alduin en question, à se demander si son Tuum était vraiment le plus puissant. Parmi nous, évidemment. Mouni Meye, nul n'était encore prêt à le défier ouvertement. Vous me disiez, où trouver Alduin? Unslat Krosis. Innombrables excuses. Je m'égare. Il s'est rendu à Sovngarde pour retrouver sa force, dévorer les Silesior, les âmes des mortels défunts, un privilège qu'il garde jalousement. Son portail vers Sovngarde est à Skuldafen,
l'un de ses anciens temples, perché dans les montagnes de l'Est. Mindoran Paok Midoave Lavrantil. Je n'ai pas besoin de te rappeler que tout ce qu'il reste de sa force y est concentré. Évidemment. Zulostofaninlan. Maintenant que j'ai répondu à tes questions, me laisseras-tu partir? Promettez-vous de me servir? Ham? Te servir? Non. Ni Théid. Quand tu auras vaincu Alduin, si tu y parviens un jour, j'y réfléchirai peut-être. Krosis. Il reste un détail que j'ai omis de mentionner au sujet de Skuldafen. Dans ce cas, dites-moi ce que vous savez. Une chose très simple. Tu possèdes le Toum d'un Dova, mais sans ses ailes. Tu ne pourras poser le pied dans Skuldafen. Bien évidemment, je pourrais t'y déposer, mais pas si je suis emprisonné ainsi. Oh, le déchu. Dans ce cas, on dirait que nous sommes dans une impasse. Non, 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 tu vas m'aider. Et vous pensez que je veux croire ce pas? D'accord, je vous libère, mais vous me promettez d'en venir. Ok. Onikan Borav Gen Mirad. Il serait sage de reconnaître que tu n'as pas d'autre choix. Bah toi non plus, en fait. Et tu peux me faire confiance. Zoni Tarodis. Alduin a démontré l'illégitimité de son règne. Je suis seul maître de mon destin maintenant. Libère-moi, et je te porterai jusqu'à Skuldafen. Ok. Bon, bah on va te libérer. Mais dans le prochain épisode, Marie. Ah ben. Ça va, Marie. Vous n'imaginez pas combien de temps j'ai attendu une telle opportunité. Je vous serais vivement reconnaissant de me laisser effectuer quelques tests sur vous. Il s'agit purement et simplement de faire avancer la science. J'avais pas vu, tu as des jolis favoris. Disparais, mage. Ne mets pas à l'épreuve la promesse que j'ai faite aux Dovahkiin. Vous ne remarquerez même pas ma présence, c'est juré. La plupart d'entre eux sont indolents, surtout pour un dragon de votre envergure. Ok. On va faire la sauvegarde. Je vous donne rendez-vous donc. Vendredi 19. Oui, maintenant je vais. C'est plus facile. Nouvelle sauvegarde pour l'épisode 57. Mais des fois je prends l'accent belge et je ne sais pas pourquoi. Peut-être parce que c'est des seuls que je sais faire quasiment. Voilà. Bon bah je vous donne rendez-vous pour la suite pour le prochain épisode. Allez, ciao tout le monde. Ouss. Ciao.